je vois que tu as du baume réparateur. Ça veut dire que c'est quand même un métier dangereux ou... Bah, c'est un métier qui met le corps à l'épreuve, ça c'est clair. C'est vrai que j'avais jamais fait le lien entre la sollicitation de la peau, parce qu'au contact de tous les produits, et ce pot de baume réparateur. D'une manière générale, le contact direct, tant avec les produits qu'avec la matière, bon, ça fait partie du processus, mais je me protège. Ça sont les, finalement, dans l'ordre, c'est les tout premiers, ce sont les gants qui m'aident à la découpe de l'acier. Déjà, ils m'aident dans l'appréhension de la pince. Et puis, surtout, j'ai une meilleure prise et j'évite de me blesser comme je faisais trop souvent avant avec les bords de l'acier qui sont extrêmement coupants à ce premier stade. Dans le déroulé, je suis obligée d'utiliser des gants de protection pour manipuler les plaques dans l'acide. J'utilise des acides assez concentrés, forcément, parce que j'aime bien quand c'est un petit peu sauvage, puis quand c'est pas trop long non plus, donc c'est des gants adaptés à ce type d'utilisation. À chaque fois qu'on met une paire de gants, on se protège, mais on fait une barrière, on perd le lien physique avec la matière. Mais c'est pour mieux le retrouver après, et puis c'est vrai que c'est indispensable. Donc ça, c'est au moment du bain d'acide. Après, quand on passe à l'ancrage, au début de l'ancrage, on a des grosses quantités d'encre à manipuler. Enfin, je manipule des quantités assez importantes d'encre au début parce que les morsures sont profondes et tout. Pour m'en mettre trop plein les mains, je démarre en mettant des gants. Donc voilà, que je jette quand ils sont percés parce que généralement j'en consomme beaucoup et que je garde quand ils sont encore un peu utilisables comme cela. Et après c'est les mains. Ah, il y a toujours les mains entre. Il y a toujours les mains. Avec ou sans bac. Ouais, les mains brutes. Je travaille en série, j'ai l'impression d'aller un petit peu plus au fond d'un sujet en travaillant par série. La première grande série que j'ai faite s'appelait Archipel fragmentaire. Donc c'est un ensemble d'estampes de formats variés mais qui s'articulaient sur une notion de territoire et imaginaire recomposé, une vision assez icarienne en fait de territoire. Donc comme jusqu'au bout, il y a une minéralité très très présente. Donc sur Archipel fragmentaire 24, on voit bien la problématique de l'articulation, de l'architecture global de l'image, de toutes ces petites matrices qui sont autant de petits territoires qui doivent s'agencer les uns aux autres. Et je me rappelle que j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver les bonnes distances. La question des distances des pièces entre elles pour qu'à la fois ça soit équilibré et que ça circule. Donc sur cette pièce, il y a des citations un petit peu littérales à la cartographie, puisqu'il y a des motifs
vraiment cartographiques qui ressortent dans ces espaces-là. Après cette série, il y a la série Edges. Donc, ce sont des grandes estampes verticales à taille humaine, voire même un petit peu plus. On peut composer comme des parcours avec des jeux de pulsations, des rayures rouges. On retrouve encore cette idée de territoire extrêmement fragmenté, découpé, mais volontairement concentré sur un bord, donc le mot edge. Voilà, je voulais parler de la limite et puis le fait de par leur dimension, de par leur verticalité, c'est de faire un lien un petit peu avec une dimension humaine, alors que depuis le début je travaille beaucoup dans le minéral, dans le sans-vie entre guillemets. Voilà, avec un point de départ cartographique hyper technique. J'ai gardé que la partie esthétique de cette forme. Et puis voilà, j'ai décliné, construit cette série de edge où tout est concentré sur les bords, mais avec des points de connexion qui peuvent être comme des pulsations, ou peut-être une forme de toison. Quelqu'un m'en parle. C'est mon fils m'en parlait du. Ça faisait référence pour lui à une toise, à des graduations dans une croissance. J'ai trouvé ça assez pertinent. Quand je le montre à l'horizontale, c'est comme ça. Jamais dans l'autre sens. Parce qu'on a un paysage qui se plaque sur le regard, qui apparaît trop, de façon trop évidente et qui bloque tout. Alors moi, je veux inciter à rentrer dans la matière, comme toujours. Dernière série, qui s'appelle Parole du pot vide écho. Alors là, c'est une artiste coréenne qui a fait une estampe, une amie, qui a fait une estampe qui s'appelle Parole du pot vide, il y a quelques années. Et une estampe que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai voulu, à travers ma nouvelle série, répondre à cette première œuvre. En développant donc d'où le mot écho, en développant une recherche cette fois-ci plus figurative, et c'est une figuration assumée, c'est un peu plus littéral, recherche sur le dialogue entre la céramique et donc le bol, puisque c'est le contenant premier en céramique, le bol et l'estampe, les jeux de matière, le parallèle qu'il peut y avoir entre la démarche raku et ma position par rapport au bain d'acide, qui finalement a pas mal de liens entre la position du céramiste raku face au feu. Voilà, donc parole du pot vide, ben non, là non plus, je trouve qu'il y a une rythmique dans cette formulation, une poésie qui plaisait énormément et le sens, quoi, en fait, le sens de peau vide mais qui contient le monde, en fait, en définitive. C'est vrai que la façon dont je travaille, c'est assez physique. Je travaille avec de l'acier, c'est relativement
lourd, résistant, coupant, on se blesse, on se fatigue. Donc je suis graveur, je grave, je creuse, j'essaie d'aller trouver quelque chose dans la matière, de faire en sorte qu'elle révèle quelque chose. Et j'ai choisi une matière particulièrement résistante, qui n'est pas le matériau classique du graveur en taille douce ou du graveur à l'eau forte, parce que c'est plutôt le cuivre ou le zinc. Mais le cuivre et le zinc, c'est trop tendre pour moi, en fait. Ça, il n'y a pas assez de résistance. Et il y a, on va dire, un rapport qui est plus... qui est un petit peu plus équilibré entre l'acier et moi. Mais du coup, ça demande une énergie plus importante. Et finalement, c'est cette bataille, c'est ce rapport, c'est le chemin que je fais avec la matière qui m'a amené rarement à ce que je cherchais au départ. En fait, je cherche à ébaucher les formes. La forme elle-même, elle va beaucoup évoluer sous l'action de l'acide. Donc, je cherche déjà... Bon, là, c'est une petite forme, mais c'est vrai que parfois, je cherche juste à redécouper la plaque pour qu'elle rentre dans le bac d'acide, déjà. Je suis pas... Enfin, je détermine pas trop les choses à ce stade. Voilà. On peut partir sur cette base-là. Sachant que déjà, sous la forme en elle-même, sous l'action de l'acide peut changer. Tout ça, c'est vraiment qu'un point de départ. C'est quand même un acide avec
une dangerosité certaine, c'est extrêmement corrosif. Je suis parfois obligée d'utiliser avec des concentrations très élevées. Pour des raisons de météo parfois, simplement, parce que s'il fait trop froid dehors, ça ne mord pas, donc je monte un peu en concentration. Et du coup, j'ai un rapport avec donc le bain d'acide, enfin avec l'acide qui est moins maîtrisé que quand on utilise des concentrations faibles. C'est-à-dire plus la concentration est faible, plus la morsure est lente et mieux elle est maîtrisée. Mais je fais le choix d'utiliser des concentrations qui sont du coup plus élevées et quelque part je me mets un petit peu pendant ce temps de bain en retrait. On peut plus agir, il faut accepter qu'on puisse plus agir. Ça ne veut pas dire que je laisse complètement l'œuvre se créer au hasard, non, pas du tout, puisque c'est moi qui au final accepte ou n'accepte pas ce que je retire du bain d'acide. Et en plus, je retravaille énormément le métal après coup, ou je recommence le procédé en m'orientant, en amenant... en travaillant plus à un endroit ou en redécoupant tout. Enfin, de toute façon, tant qu'il y a du métal, le chemin peut continuer jusqu'à un moment où peut-être on a envie d'arrêter et de faire part de ce qu'on a trouvé. Je travaille les matrices. Après les avoir nettoyées, de l'acide, deux du vernis, je commence à faire un peu l'état des lieux, savoir où j'en suis. La formation, elle vient vraiment en complémentarité des yeux et de la main. Je prends connaissance du type de morsure qu'il y a. Voilà, de l'état de la matière, mais à la fois en la touchant, en la regardant. Moi, je me plonge dedans, je regarde ce qui s'est passé par rapport à ce que j'ai voulu initier avec le vernis et les greffures que j'ai apportées au vernis. Et j'essaie de voir s'il y a des choses qui sont proposées intéressante et si je peux aller révéler d'autres choses un peu cachées encore à ce niveau-là dans la matière. Je cherche à aller chercher un monde en fait qui permet un autre monde, c'est-à-dire une autre la matière qui propose j'aime pas trop l'idée du voyage, mais qui propose finalement des territoires qu'on pourrait explorer en fait.
Et de temps en temps, j'y trouve des choses qui me parlent, qui provoquent une émotion, et je me dis, allons voir un peu plus loin. Qu'est-ce que cette matière peut dire encore ? Presque toujours, oui, je creuse pour aller chercher quelque chose qui est caché. C'est vraiment ça. Créer en rajoutant, plus ça va et plus je me rends compte que ça... Je suis pas... Ben, c'est pas une direction qui me convient. C'est pour ça que je peins pas. Enfin, je peins plus. Rajouter de la peinture, finalement... J'ai pas l'impression que je prends la bonne direction pour trouver quelque chose. C'est prétentieux de dire qu'on va trouver quelque chose. Moi, je trouve quelque chose qui me... voilà, qui me permet de me renvoyer une image qui fait écho à quelque chose. Voilà. Et quand on rajoute, j'ai plus finalement le sentiment que je suis en train de cacher, que je suis en train de m'éloigner. J'ai l'impression d'aller chercher en profondeur. Ce que je trouve, ça c'est une autre question. Et idem en céramique, plus j'avance dans ce domaine-là, et plus je me rends compte que l'utilisation des émaux ne me convient pas. J'ai l'impression de recouvrir, d'aller cacher. Donc, je cherche pas à cacher, je cherche à retrouver quelque chose qui est enfoui. Tel que je le pratique, mais l'eau forte en général, de toutes les façons, c'est une technique où le temps a une valeur très importante et on est toujours dans un contact extrêmement prolongé, entrecoupé
avec une matière, donc en l'occurrence là, le métal, dans la perspective d'un résultat qui sera finalement une transposition de cette matière, mais qui n'est pas le résultat qu'on cherche n'est pas ce sur quoi on travaille directement, mais la révélation de ça. Et au moment de la révélation, il y a une part de surprise, mais énormément d'anticipation, c'est-à-dire que le travail des heures durant au contact d'une matrice, c'est déjà si on est en... Voilà, si on peut s'attendre à quelque chose de proche d'un résultat ou pas. Enfin, le hasard, il joue un rôle, mais je veux dire, comme dans toute la vie, quoi, en fait. En revanche, c'est une succession de décisions par rapport à ces signaux envoyés par, entre guillemets, le hasard, qui va faire qu'on va diriger le travail vers quelques points. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne suis pas sûre que le tirage soit excellent. Je pense que... Ouais, je pense que là, il faut que je revoie mon encre. L'essuyage est bon, mais je pense que ma proportion, mon mélange, n'est peut-être pas au top. Il y a un petit manque de contraste. Ouais, il y a des sensations, en fait. Les sensations qui sont... parfois découvert tout au long du procédé, de la recherche, et qui sont, qui peuvent ou qui ne sont pas transcrites à l'impression. Et bah, quand il y a transcription, c'est bien. Quand il n'y a pas, on continue de chercher, parce qu'on se dit que la sensation, qu'elle soit visuelle ou tactile, a forcément une transcription. Et c'est ça que je cherche à... Je cherche.